Intussen raakt men over de taalgrens maar niet uitgekeken op het fenomeen Bart de Wever en N-VA. Onze collega Christophe de Borsu van RTBF die zat een paar maanden in het spoor van de N-VA. En Christophe stelde zich één vraag. Wat maakt de N-VA tot de nieuwe Vlaamse volkspartij? En als een Franstalige reporter op een meeting verzeild raakt met een rabiate flamingant als advocaat Vic van Aalst, dan levert dat ook memorabele televisie op. Voor een publiek francophone, la N-VA pourrait se résumer à une image. Une image qui a sans doute échappé aux 400 000 spectateurs du défilé national sur la RTBF. Un seul membre de la N-VA y était présent, Danny Peeters, le président du Sénat. Monsieur le Président, c'est aussi votre fête nationale aujourd'hui ? L'image, la voici. Monsieur Peeters est le seul homme politique à ne pas applaudir quand le roi arrive. Albert II est le chef d'un État dont la N-VA ne veut pas. Depuis quelques mois, la N-VA d'Anvers compte un nouveau membre important, Vic Van Aalst, par ailleurs célèbre avocat d'assises en Flandre. Pour Maître Van Aalst, le problème de la Belgique, ce sont les exigences toujours plus grandes des francophones. Je le cite, « Les francophones ne seront satisfaits que quand les cabillots parleront français devant la plage d'Ostende. » Dat is toch niet te geloven? Dat is gelijk een magneet, dat je die aantrekt. Dan moeten wij zo sympathiek zijn. Ja. Ja, inderdaad. Ja, we pakken dat allemaal op. Hè. Het begint dan niet over die kabeljauw. Nee. Tijd van de zachte, vredelievende, vriendelijke, charmante Vlaming. Die zijn linkerhand aanbood als we een klets op de rechter gekregen hadden. Wees voorzichtig. Is het voorbij? Die tijd is voorbij hoor. Dat is definitief voorbij. Dus laten we elkaar goed verstaan. Nu gaat je ons accepteren als volwaardig medeburger van het land waar jij zo van. Maar dat bent u toch, meester Van Aalst? Oké, dus niet. Oké, ça va. En als je dus het niet goed schikt zult hebben, zal het anders zijn. En wat gebeurt er dan? Dag man. Tot binnenkort, meester. Ja, tot heel goed. Ja, zou je mij dan een keer kunnen voorstellen? Gaat afspelen? Ah, nee, dat doen we nooit. U kent de regels van het spel. Hè? Dus, zeg, dat is, ik weet dat het uw eerste interview is. Allee, zeg. Nee. Weet je wat er bij mij ophef maakt? Ik zal het een keer zeggen. Als ik met mijn moeder naar een ziekenhuis ga in Brussel, hè, en mijn moeder die spreekt geen Frans, want dat is een simpele vrouw, en dat je aan de receptie komt en dat daar een juffrouw zit, die weigert van één woord Nederlands te spreken. Bestaat, meneer, zoiets dat maakt op. Hè. Dat is overal bestaat. Overal bestaat. Ja, dat bestaat. In gans Brussel bestaat dat. Dat maakt meneer op. Hè. En dat kwetst ons, meneer. Dat is de kern van de ganse zaak. À de Pint, un député N-VA est venu l'écouter, Siegfried Braak, ex-journaliste vedette à la VRT. Un journaliste transmué en nationaliste. Comme Vic Van Aalst, M. Braak veut que les francophones respectent mieux le néerlandais. Ainsi pour lui, les conseillers communaux francophones dans les communes à facilité autour de Bruxelles doivent absolument s'exprimer en néerlandais en séance. Pour justifier sa position très flamande, Siegfried Braak prend l'exemple de l'Alsace. Il y a en France des communes où on parle l'allemand, mais néanmoins le conseil communal se déroule en français. Il y a des gens de Paris qui viennent là-bas pour voir si le conseil communal se déroule en français. Pour vérifier ces propos surprenants, nous gagnons l'Alsace et Drulingen, 1500 habitants. Drulingen est une des communes françaises où l'on parle le plus l'alsacien, un dialecte effectivement proche de l'allemand. À l'heure de l'apéritif, nous faisons écouter Siegfried Braak au maire de Drulingen, étiqueté UMP, le parti de Nicolas Sarkozy. L'effet est immédiat. Il y a en France des communes où on parle l'allemand. C'est une histoire belge. Donc là, il n'y a pas de doute, il délire le monsieur. C'est faux, c'est entièrement faux. Quoi. Je ne sais pas où il se renseigne, mais je n'ai jamais vu ça en France. Je veux dire, lui, il veut mettre des barrières, mais bon, la langue n'est pas une barrière. La langue, c'est un enrichissement. Hein, donc nous d'ailleurs, je vais vous le prouver après. On a un conseil municipal et je vous ouvrirai les armoires et les portes si vous trouvez un personnage derrière qui nous contrôlerait des contrôleurs, c'est totalement inexact. Les seuls contrôleurs présents sont de marbre, ou alors sous cadre. Dans ses raisonnements linguistiques, la N-VA s'égare parfois. Et pourtant, malgré cela, vous aussi auriez
pu voter NVA. Car dans l'électorat du parti, il n'y a pas que des jusqu'au boutistes. Seuls 17% des électeurs de la NVA souhaitent l'indépendance de la Flandre. Les autres veulent seulement que les choses changent.